Alors, chers collègues, chers dear guests, let me say it in English. Welcome to our fourth FinTech Meet on behalf of the BGL BNP Paribas IT division and of Lux Future Lab. For those of you who have been here, let me recall that we had three preceding sessions, one on blockchain, one on big data and machine learning, and one on big data and emotions on asset management. So now today the subject is, I would say, a real fun one. And may I add, you will have time to play with our first speaker, Dominique Mangiatordi. Dominique is deeply convinced by the power of gamification in the professional world. He is the founder and CEO of a specialized mobile solutions app, Royal App Force, and he is also an advertising, an e-marketing, and an information technology specialist. Dominique is also a gamification teacher. I didn't know that that existed, a gamification teacher, at HEC Liège and at the Solvay Business School in Brussels. He even found time to write a book called Manager, Faites vos jeux, to share his experiences and encourage managers to play within the company and with their customers. And you can precisely win that book if you participate in Dominique's game. So for those of you who have not yet done so, we invited you outside to download the ConnectsMe app. For those of you who haven't done so, please do with the identification code gamification, so that when Dominique gets started, you can immediately go with him. And as we are in Luxembourg, and where everybody is fluent in tons of languages, Dominique will make his presentation in French, but his slides will be in English. After a more general introduction to the world of gamification, and you know that's a normal format of our FinTech Meets, we will have a concrete example, and Raphael Frank will show what his company Motion S is doing in that area. We are particularly proud to have Raphael Frank with us, because he's one, I must say, of the very few Luxembourgish founders we have at Lux Future Lab. Raphael received his PhD in computer sciences from the University of Luxembourg, and he was also a visiting scholar at the University of California, Los Angeles. He's the co-founder and CEO of Motion S, the first spin-off of the SNT, of the University of Luxembourg, and his company is working on smartphone-based telematics solutions for usage-based insurance and fleet management. It's not that easy. So Motion S launched last year a game called Game of Roads, where Raphael and his team have developed a program that allows a mobile phone to connect information on the style of driving. And obviously, that style of driving, the less risky you are, the better you are. So let me, without you, pass the floor to Dominique and Raphael to listen to their presentations. Thank you for coming. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Je suis ravi pour plusieurs raisons, parce que la gamification, c'est devenu ma passion et mon métier, mais également parce que depuis quelques mois, dans la fintech, il se passe énormément de choses. Il y a de plus en plus de startups qui intègrent la gamification vraiment en amont dans leur réflexion processus métier, processus application, processus business. Personnellement, j'en suis évidemment ravi. J'ai le plaisir d'éditer plusieurs applications de gamification. La première s'appelle Pick Me Up. C'est un outil de motivation et d'animation commerciale, donc pour les vendeurs, pour les commerciaux, qui a eu un rapide succès. Il y a aujourd'hui 6000 commerciaux qui sont sur l'application. L'application a été rachetée par une société qui s'appelle Efficy, dont je suis directeur marketing, et qui est le leader indépendant du CRM en Belgique. Mais c'est juste pour vous donner l'idée que le leader indépendant du CRM s'est dit « Je dois avoir une application gamifiée de motivation commerciale, ça complète idéalement
mon outil. On a également une application qui s'appelle Hunters qui sort le mois prochain, qui est une application de recrutement par cooptation. C'est un jeu de recrutement par cooptation. Happy Formance, qui est une application de gestion de projet en mode collaboratif qui est déjà utilisée par 3 banques. Sia, qui est un Tinder, pour ceux qui connaissent les sites de rencontres, un Tinder Business pour favoriser les rencontres dans des événements business. Voilà, mais je ne suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui. Je suis là pour vous parler de la gamification, de la ludification, comme le disent nos cousins québécois. J'aime citer cette phrase qu'on attribue à Platon, alors c'est peut-être pas forcément de lui, mais on dit qu'on en apprend plus sur quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de conversation à la machine à café ou ailleurs au bureau. Je suis persuadé que c'est vrai. Et pour vous donner une anecdote, mon plus gros client, c'est Saint-Gobain. J'ai invité l'équipe de Saint-Gobain qui travaillait avec moi, 10 personnes, à un team building. Et ils avaient dans les 10 personnes 2 nouvelles collaboratrices. C'était en Provence, on a loué des 2 chevaux, on a bu du pastis et du rosé, la journée était fantastique, charmante, etc. Les 2 nouvelles collaboratrices étaient gentilles comme tout, à l'écoute, super sympa, etc. Et le soir, on a fait une soirée jeu, avec différents jeux très clichés, on a joué un peu au Monopoly, ce genre de choses, etc. 2 tueuses, 2 vraies tueuses, et elles se sont révélées dans le jeu. Parce que le jeu, c'est un excellent test de personnalité, test psychologique, qui est encore plus spontané, plus sincère que la plupart des tests que vous connaissez. Et donc, dans la vie professionnelle, il y a énormément de situations où finalement, la collaboration, la compétition, la créativité, tout ça, ce sont des choses qu'on rencontre dans une journée normale au bureau et qui peuvent nous rappeler ce qu'on peut retrouver dans les jeux. J'ai demandé de reconnaître plusieurs jeux dans un quiz, donc ça c'est la première question. Pouvez-vous me dire quel est ce jeu? Proposition. Donc est-ce que c'est World of Warcraft? Est-ce que c'est Starcraft? Est-ce que c'est Lara Croft? Vous avez 10 secondes. 15. Enfin, jusqu'à la fin de la vidéo. Normalement, j'ai un public de geeks. On m'a dit dans la salle, j'ai des informaticiens, tu verras, ils vont venir en short. Je ne suis pas impressionné. Je vois beaucoup de cravates. Alors, donc, il s'agit de World of Warcraft. Donc, World of Warcraft, qui connaît World of Warcraft? Est-ce que vous pouvez lever le doigt? Qui joue à World of Warcraft? Il faut avouer, hein. 2, 3. Donc, il y en a 3 qui avouent, 4. Alors, ce jeu est intéressant parce que pour deux raisons. C'est le jeu qui correspond, je vais vous montrer 8 profils de joueurs plus tard dans la présentation, c'est le jeu qui correspond le plus. Et donc, quand on fait des études en gamification sur des jeux et leur transposition dans le business, World of Warcraft est souvent pris en exemple. Parce que chacun peut y trouver son bonheur, je vous expliquerai pourquoi. Et la deuxième raison pourquoi j'aime citer ce jeu, c'est que c'est le jeu qui crée le plus de no-life. Vous savez, les no-life sont les personnes qui jouent tellement qu'elles tombent dans le jeu et qu'elles n'ont plus de vie normale. J'ai eu le plaisir d'interroger un Américain, un no-life, qui jouait beaucoup à World of Warcraft. Ce type jouait 20 heures par jour, dormait 4 heures. Il était complètement accro et addict. Et pourquoi? Parce qu'il était chef de guilde. Et d'une guilde dans Warcraft, c'était 500 personnes qui étaient sous ses ordres et qu'il manageait au quotidien, alors que sa vie normale était un peu plus soporifique. Et donc il est tombé dans ce piège du virtuel qui était plus intéressant que le réel. Et ce n'est pas tout à fait du virtuel. C'est-à-dire que derrière les écrans, il y a quand même des vrais êtres humains. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de comprendre quelqu'un qui devient chef de guilde dans World of Warcraft a des compétences de management uniques. Il peut évidemment avoir des problèmes parce qu'il passe à côté de la réalité, mais il reste néanmoins qu'il a des compétences, il acquiert des compétences de management uniques. Alors, c'est quoi la gamification? La définition la plus simple que j'ai, c'est que c'est l'utilisation des techniques de jeu pour créer de l'engagement. En fait, le vrai mot-clé, c'est engagement. Oubliez gamification. On s'inspire de ce qui marche dans le jeu, mais en fait, ce qu'on veut comprendre dans le jeu, c'est pourquoi est-ce que les gens aiment spontanément faire des choses. Finalement, ce qu'on essaie de faire dans un contexte d'entreprise. Créer de l'engagement pour qu'on soit motivé à la tâche, au travail. C'est le but. La gamification est parfois le meilleur moyen d'y arriver, c'est-à-dire introduire des techniques du jeu dans un processus business qui est boring au départ. Je vous donne un exemple. Some of them earned the right to jump the queue, but more importantly, we offered everyone an entertaining and funny way to wait. Donc, c'est une application qui s'appelle FastPass, qui a été lancée par une agence à Paris, quand les Burger King sont revenus en France. Et moi, j'ai vécu à Marseille, à Marignane, à l'aéroport, il y avait toujours des files énormes à l'ouverture du Burger King. Il fallait attendre 3 quarts d'heure avant d'avoir son Whopper.
Et ils ont créé le Fast Pass, c'est-à-dire un petit jeu que vous pouvez télécharger. Et pendant que vous attendez dans la file, vous jouez. Et le gagnant, évidemment, accède au Fast Pass. Il passe devant tout le monde. Et tout le monde ne joue pas. Hein. Quand vous avez 200 personnes dans la file, vous avez quelques joueurs, 4-5 joueurs. Par contre, tout le monde s'agglutine autour des joueurs et encourage le petit joueur qui vient de se créer. Et on espère que c'est son joueur qui va gagner. Et applaudissements total. Donc là, on est vraiment dans un environnement qui est boring, peu engageant, et qui devient spontanément engageant. C'est pas évident à faire dans un contexte qui est extrinsèque. C'est-à-dire que la motivation dans ce cas précis est extrinsèque. Ça veut dire que si vous êtes en train de faire la file et que vous acceptez d'attendre 3/4 d'heure, c'est parce que vous voulez votre report. Si vous étudiez et que vous n'aimez pas étudier, vous étudiez parce que vous voulez votre diplôme. Si vous travaillez, comme beaucoup de personnes malheureusement n'aiment pas leur job, mais ils travaillent pour avoir leur salaire. Donc c'est là que la motivation est extrinsèque et c'est là que la gamification peut évidemment aider, mais que c'est difficile parce qu'il y a un artifice quelque part. C'est plus facile quand la motivation est intrinsèque. Quand elle est intrinsèque, elle vient de vous. Vous avez décidé de toute façon de faire quelque chose. Et là, les outils de gamification peuvent vous aider à être plus performant dans ce que vous faites. Et c'est vous qui le voulez. C'est vous qui sollicitez ces outils. Exemple. Right workout to reach your personal fitness goal. Personalize your workouts with your own music. Follow the coach's instructions. This workout will give you a full... Ah, c'est un exemple un peu cliché. Deuxième question. Quelle est cette application ? Peut-être que parmi vous, il y a des utilisateurs de cette application. Est-ce que c'est Runkeeper ? Est-ce que c'est Runtastic ? Ou est-ce que c'est Endomondo ? Je lis des visages très dubitatifs. Attention, stop. Vous avez tous voté ? Voilà, alors il s'agit bien de Runkeeper, qui est une des applications les plus populaires pour les coureurs amateurs. Vous devez savoir qu'aujourd'hui en Europe, 72% des coureurs amateurs utilisent une application de ce type. Runkeeper, Nike+, Endomondo, etc. Parce qu'on veut aller courir, donc la motivation est intrinsèque, on a décidé d'aller courir. Mais moi personnellement, par exemple, aller courir tout seul, c'est quelque chose qui est difficile. Quoi. Si j'ai pas des potes qui viennent me chercher et me sortir du canapé, j'ai besoin de mon Nike+. Parce que je veux voir ma moyenne, je veux savoir ce que je peux battre comme record, etc., pour être motivé. Et vous avez même des applications encore plus gamifiées comme Zombie Run, qui est un succès fou aux États-Unis. Tout se passe dans le casque, et vous êtes poursuivi par des zombies. Et donc vous courez, et si vous freinez et que vous réduisez votre moyenne, le zombie se rapproche de vous. Et vous avez une voix off qui vous dit, attention, là, le zombie est à 200 mètres, à 100 mètres, à 50 mètres, il se rapproche. Et normalement, quand il vous atteint, vous devez atteindre, enfin, il y a plusieurs scénarios, mais vous devez arrêter de courir, ou alors vous perdez tous les points que vous avez engrangés. Donc vous devez courir plus vite. Zombie Run. Zombie Run, ils appellent ça des saisons. Ils sont à la 6e saison. Parce qu'ils scénarisent les courses pour trouver dans une ville. Et en fait, votre programme change. Il vous dit, non, les zombies sont là. Il faut changer de course. Il faut tourner à gauche. Et partir dans un autre trajet. Ce sont des scénaristes de Netflix qui ont écrit la saison 6. Pour vous dire le phénomène. Pourquoi est-ce que les jeux sont plus intéressants que les processus qu'on nous offre dans le travail ? Principalement parce que dans un jeu, vous avez un but, un objectif qui est clairement défini. Dans un jeu, on vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut atteindre et quel est le but. C'est aussi bête que ça, mais c'est aussi trop peu courant dans les entreprises. Quand vous jouez au Trivial Pursuit, vous avez 6 camemberts à collecter, c'est aussi simple que ça, et vous avez un scorekeeping, vous avez un score, à tout moment, vous savez où vous en êtes dans la partie. Si vous avez 4 camemberts sur 6, ben vous êtes à 2/3 de votre objectif. C'est extrêmement relaxant de jouer pour ces raisons-là. Parce qu'on est dans un monde qui est très incertain, qui est changeant, où les règles sont soit pas connues, soit quand elles sont connues, elles sont changeantes, et soit quand elles sont changeantes et connues, elles sont pas respectées. Ça fait beaucoup. Et donc c'est pas très rassurant. Un jeu est rassurant. Vous êtes dans un univers qui est cloisonné. Et normalement, tout le monde respecte les règles du jeu, et le meilleur gagne, etc. Il y a une justice dans le jeu. Et au-delà du score qui a lui tout seul un feedback, vous avez également dans un jeu, surtout dans les jeux vidéo évidemment, un feedback du jeu qui est permanent ou qui est très constant. Si vous jouez à Candy Crush, combien parmi vous jouent à Candy Crush ? Pour rire. Ok, normal. Dans Candy Crush, vous êtes accompagné, vous êtes encouragé, vous êtes félicité à chaque fois que vous faites quelque chose qui n'a pas vraiment de mérite. Mais c'est pas grave, on y va, on encourage. Alors, pourquoi
Je vous ai déjà donné quelques raisons, mais en fait, on parle de plus en plus en gamification, et ça intéressera les programmeurs parmi vous. On parle de human focused design. On a tendance à trop privilégier dans le développement d'applications le function focused design. Il faut partir de ce qui motive l'utilisateur. Les applications bancaires sont en train de le comprendre à vitesse VV', tant mieux. On repart de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il veut voir? Et souvent, la réponse va commencer par ego. Ego, ego, ego. Moi. Moi, ma photo, mes points, mon score, ma progression. Toujours. Et tous les logiciels sont en train de se transformer comme ça. Prenez LinkedIn. LinkedIn est une interface centrée autour de votre ego. Et LinkedIn a mis un peu de temps à comprendre, mais ils l'ont fait, qu'ils devaient gamifier votre processus de remplissage de profil. En disant, voilà, si vous avez complété tout, vous êtes une star et vous avez un profil à 95% de score. Donc je vais y revenir après. Il y a 4 domaines où on utilise la gamification principalement. Le premier, c'est le marketing. Je ne m'y attarderai pas parce que ça existe depuis des années et des années. Donc les marques utilisent le jeu pour interagir avec leurs utilisateurs, leurs clients. Le workplace, c'est là où je passe le plus clair de mon temps. Donc, et j'inclus l'éducation, donc tout ce qui est gamification pour l'apprentissage. Pour moi, ça fait partie du workplace. Le produit, alors ça, c'est plus nouveau. Donc il y a des produits qui sont maintenant eux-mêmes gamifiés. Et la vie de tous les jours, la vie courante. Dans la vie courante, marketing j'en ai parlé, mais dans la vie courante, on utilise maintenant des applications pour savoir si on est un bon parent, si on se nourrit bien, pour suivre un régime, pour arrêter de fumer. Et donc c'est la grosse tendance du self-assessment. On essaye de s'évaluer soi-même par rapport à tout ce qu'on fait. Voilà. Par exemple, voilà ce qu'on fait en workplace pour animer les équipes commerciales, on utilise Pick Me Up. Parler de Nike Plus, Runkeeper, etc. parce que ça inspire ces applications pour créer Pick Me Up. On prend ces leviers-là et vous avez vu, il y a une grosse importance qui est donnée à la notion de progression personnelle mais aussi à la notion de classement parce que le commercial correspond à un certain profil et on ne travaillerait pas du tout le jeu de la même façon pour un gestionnaire de projet par exemple. Donc il y a des moments où la compétition est bonne, il y a des moments où la compétition n'est pas bonne, il y a des moments où la collaboration est excellente, il y a des moments où la collaboration c'est pas le moment. Donc il faut penser à ça. Et enfin, en produit, j'aime bien donner cet exemple, directement aller dessus. But most kids think it's boring. They don't have the motivation to brush, right? Hey Emily, ready to smash the high score? With the game Go Pirate, toothbrush time becomes a real fun adventure for your children. They stay focused throughout and brush their teeth better than ever. Yay! Mom, dad, and kids, I record and store all of your individual brushing habits. I analyze your data to provide your personalized Colibri Index, a unique scale based on your regularity, your brushing time, and the quality of your brushing. Now you can challenge each other every day with points, levels, and collectible badges. Hello, family fun! Goodbye, tooth decay and cavities. You might call it intelligence at play. It's time to redefine the toothbrush and bring it to the next... Voilà, Colibri, c'est une start-up parisienne à nouveau, c'est des copains. C'est un flop complet sur les adultes, pour plein de bonnes raisons. Par contre, ça cartonne chez les enfants de 5 à 9 ans. Si vous avez des enfants, vous savez que quand on a des enfants, il y a 3 challenges pour qu'ils se brossent les dents correctement. Le premier challenge, c'est qu'ils se brossent les dents tous les jours, sans qu'on leur crie dessus. Deuxième challenge, c'est qu'ils se brossent les dents 2-3 fois par jour. Et puis, quand vous avez réussi ça, ils peuvent être comme ça devant le miroir et rien faire. Donc c'est raté. Donc il faut qu'ils se brossent les dents partout dans la bouche, au bon endroit, avec la bonne pression. Et donc c'est ce que fait la brosse à dents Colibri, mais la motivation étant trop extrinsèque, parce que c'est les parents qui le demandent, on la transforme en motivation intrinsèque à travers le jeu. Les enfants oublient qu'ils se brossent les dents, en tout cas jusque 9 ans, après ça change, mais jusque 9 ans, ils oublient qu'ils se brossent les dents, ils sont dans le jeu, et ils collectent les pièces, etc. Ils viennent de signer un gros partenariat avec Ubisoft, et le jeu que vous avez vu là est remplacé par un jeu Lapin Crétin. Donc ils ont la licence Lapin Crétin, et c'est encore plus... c'est vraiment très fun, le nouveau jeu. J'ai pas la vidéo, malheureusement. Voilà, une fois que vous avez posé les balises de départ, comment est-ce qu'on met en place une stratégie de gamification efficace? On part d'abord
du parcours du joueur. Là, c'est une photo que j'ai prise de mon téléphone parce que ING ne me permet pas de faire un screenshot de ma page de PC Banking, ce qui est bien, c'est sécurisé, c'est super. C'est pour ça qu'il y a une mauvaise qualité. Mais vous voyez que sur mon application bancaire, j'ai ma photo, une image pour me représenter. Pourquoi ? C'est pas du tout nécessaire. Mais par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans ce trend de self-assessment et on rentre déjà dans un processus où la première étape du parcours d'un jeu, c'est l'identification. Quand vous jouez au Monopoly, on fait tout ça, hein, on choisit une pièce au hasard, donne-moi le chien, donne-moi le dé à coudre, donne-moi le petit bateau, comme si ce n'était pas important. Mais une fois qu'on a pris le dé à coudre, on est dé à coudre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas photo, c'est le dé à coudre qui est la pièce la plus chouette du jeu, parce qu'on l'a choisi. Cette phase d'identification, elle est souvent négligée. Quand vous allez jouer au squash ou au badminton avec des collègues le mercredi soir, vous enfilez votre tenue de joueur de badminton, vous êtes dans l'identification, vous faites des choix. C'est votre personnage, c'est toujours vous, mais c'est vous, joueur de badminton. Donc la phase d'identification, elle a été complètement négligée sur les applications fintech d'il y a 2-3 ans. C'est-à-dire on zappe et on va directement à la phase suivante, qui est la phase d'onboarding, mais il ne faut pas négliger cette phase d'identification, elle est très importante pour la suite, pour s'accaparer l'application. Et la phase la plus importante, c'est l'onboarding. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on peut perdre très facilement tout le monde, c'est là qu'on peut avoir dépensé beaucoup d'argent pour attirer du monde sur votre appli, et en fait, non, j'accroche pas. On travaille dans le CRM, donc on a ça beaucoup dans le CRM. Le CRM, comme un tableur, comme Excel, vous demande beaucoup d'efforts au départ pour maîtriser l'outil, pour pouvoir ensuite en prendre du plaisir à faire une table pivot, une macro, etc. dans Excel. Mais avant d'y arriver, il faut que vous passiez par toutes les étapes. Quand vous commencez à jouer au tennis, votre prof vous tient pendant 2 heures. Ces 2 heures-là sont capitales, les 2 premières heures. Vous ne jouez pas encore du tout au tennis. Simplement, vous allez prendre la raquette, envoyer quelques balles et sentir si ce truc va vous plaire ou pas. C'est la phase d'onboarding. Je reviens sur Candy Crush. Quand vous jouez pour la première fois à Candy Crush, regardez comment le jeu vous accompagne pour faire en sorte que vous soyez motivé et que vous restiez, avec des techniques très particulières. La deuxième phase d'action, c'est le scaffolding, donc l'aller-retour, l'apprentissage. C'est une phase qui est très importante, mais qui est plus facile à gérer que la précédente. Il y a juste un truc à connaître, c'est que quand vous êtes en train de commencer à maîtriser une discipline ou un jeu, vous devez toujours rester entre la difficulté trop forte qui va vous casser, donc si le jeu est trop difficile, à un moment, on n'a plus envie, et l'ennui d'un jeu trop facile. Donc là, c'est juste, c'est pas si facile que ça, hein, mais c'est juste gérer cette particularité pour arriver à la phase de maîtrise. Quand vous jouez aux échecs, vous avez traversé ces différentes phases-là, vous êtes les blancs, vous êtes les noirs, vous avez un apprentissage de jeu d'échecs, etc., puis vous devenez un expert aux échecs, et c'est le type de jeu où si vous avez été jusque-là, normalement, vous êtes joueur d'échecs pour la vie, même si pendant des mois, vous n'avez plus joué, mais en fait, c'est bon, vous avez bien pris le jeu. Ou parfois, on abandonne le jeu. On peut l'abandonner à chaque étape, évidemment, hein. Mais quand on l'abandonne après une phase de maîtrise, c'est souvent pour de bonnes raisons. C'est qu'on a épuisé le jeu. Et finalement, ce jeu avait peut-être vocation à être épuisé. Je donne un exemple, si vous jouez à Super Mario, il y a 8 mondes à traverser. Quand on arrive au 8.8, il y a un petit monde secret qui est caché. Mais bon, en gros, vous avez fini les univers de Mario. Donc, votre jeu, c'est bon, c'est fini, on n'a plus envie de recommencer. Je vais vous poser une question qui n'est pas dans le quiz, donc là, il ne faut pas répondre sur votre téléphone, mais imaginez que tous les dimanches, vous courez avec 5 amis dans les bois, et vous êtes des coureurs tout à fait raisonnables, 5 km, et ce dimanche-là, il fait particulièrement beau. Il y en a un qui lance, tiens, si on faisait le marathon de Barcelone dans 6 mois. Tout le monde fait, yeah, on va faire le marathon de Barcelone, parce qu'il fait beau et que tout le monde est motivé. À votre avis, projetez-vous dans ce scénario, qu'est-ce qui va vous motiver, vous, personnellement? Est-ce que vous allez être motivé parce que vous souhaitez surtout ne pas être le dernier du groupe? Ce serait la honte. Je veux pas être humilié, ou je veux être le meilleur du groupe. Ça marche, c'est la même chose. Ou alors ce qui vous motive, c'est d'améliorer votre performance. Vous voulez devenir meilleur dans ce que vous faites, donc vous voulez courir plus vite, améliorer votre moyenne, etc. Ou alors, point C, vous êtes déjà en train de vous projeter dans l'expérience que ça représente avec vos amis. Les dimanches vont être plus intéressants parce que vous êtes motivé par un objectif commun et c'est une expérience commune que vous vivez avec vos amis. Ou enfin, vous ne connaissez pas l'univers des marathoniens, vous ne connaissez pas Barcelone super bien, vous êtes allé qu'une seule fois, vous vous dites, je vais me retrouver dans un univers que je ne connais pas du tout, avec des marathoniens, j'ai envie de voir ça. Qui serait plutôt A? Alors le A, en général, ne l'avoue pas. Ok? Je vais en reparler. Qui serait plutôt B? Ok, un petit 10%. Qui serait plutôt C?
comme d'hab, ok. Qui serait plutôt D. Ouais, quand même, pas mal. D'accord. Cette question, elle fait partie d'un questionnaire avec 32 questions un peu plus larges, mais elle permet d'identifier, non pas à coup sûr, mais quelle est votre dominante de profil de joueur. Les profils de joueurs, on les classe selon deux axes. Soit vous souhaitez prendre le contrôle, soit vous souhaitez vous adapter. Prendre le contrôle de quoi? Prendre le contrôle des autres, ou prendre le contrôle du contexte, de l'univers qui est devant vous, le jeu, ou l'environnement professionnel. Ou alors vous adaptez aux autres, ou vous adaptez au jeu. Si vous souhaitez prendre le contrôle des autres, vous êtes un tueur. Si vous souhaitez vous prendre le contrôle du jeu ou du contexte, vous êtes un achiever, un accomplisseur. Si vous êtes en train de vous adapter aux autres, avant tout, vous êtes un socializer. Et si vous aimez vous adapter au jeu et comprendre ce qu'il veut de vous et aller plus loin, vous êtes plutôt un explorateur. Et en fait, si vous êtes un tueur, soit vous aimez respecter les règles parce que vous êtes comme Roger Federer ou Tiger Woods, vous êtes un sportif de compétition, vous voulez gagner, vous voulez être premier dans le classement, mais vous voulez le faire dans les règles. Soit vous en foutez complètement et vous êtes plutôt un assassin. Je vous donne une anecdote, j'ai eu la chance de gérer une équipe de 60 commerciaux à Aix-en-Provence et j'avais un concours sur le mois et j'avais un duel entre deux commerciaux qui s'étaient vraiment dégagés et qui étaient en tête et le jour avant la clôture du concours, le deuxième avait un retard d'un contrat. À la dernière minute le vendredi, quand on a clôturé, il vend trois contrats. Enfin, dernière minute, sur deux heures ou trois heures, ça n'arrive jamais. Hein, il vend trois contrats. Et donc on enquête quand même, on regarde, c'était sa cousine, sa nièce, enfin je sais plus, sa tante. Donc sa famille avait contribué à son succès, et sachant qu'on peut annuler les contrats trois semaines après, c'était vraiment une triche. Donc ce type était un assassin. Pourquoi? Pas parce qu'il avait besoin d'un iPhone qui était le résultat du concours, mais parce qu'il avait vraiment besoin de gagner, et de surpasser Fabien, en l'occurrence son collègue, qui n'avait jamais battu. L'accomplisseur, c'est un profil beaucoup plus intéressant parce que plus facile à manager en entreprise. Soit il souhaite devenir un spécialiste parce qu'il veut maîtriser une discipline à fond, il veut être le meilleur gestionnaire de fortune de la banque, c'est son truc. Soit il est un collectionneur, il veut être spécialiste en cuisine exotique thaïlandaise, il veut avoir son permis de poids lourd, et il accumule comme ça les compétences, qui rangent les unes à côté des autres, tout en étant bon à chaque fois dans chacune. Le socializer, il est motivé par deux choses très différentes. C'est la grosse, c'est le profil le plus courant dans la population. Vous avez d'ailleurs vu les doigts qui se sont levés. C'est entre 40 et 50% de la population qui est naturellement socializer dominant. Et c'est un problème en management. C'est une chance et un problème. C'est un problème parce que le socializer laisse de côté la performance brute pour privilégier les interactions avec les autres. Parce qu'il veut se sentir populaire ou parce qu'il veut être utile dans le groupe. S'il veut sortir populaire, on le qualifie de rockstar. S'il veut être utile, c'est l'équipier. L'équipier, c'est celui qui accueille un nouveau qui rejoint l'équipe et qui, pendant les deux semaines, spontanément, va se proposer de le coacher. Le populaire, c'est, je vais prendre un exemple très cliché, c'est le type qui passe une heure à dire bonjour à tout le monde, à tous ses collègues avec le petit café le matin, parce qu'il veut bien être sûr d'être reconnecté et connecté avec tout le monde. Vous voyez, l'indicateur de performance, là, il baisse, par exemple. Et l'explorateur, c'est un profil très rare, plus courant chez les ingénieurs. C'est soit la résolution de problèmes, soit l'exploration brute, donc la découverte de l'inconnu qui l'intéresse, qui ne sont pas tout à fait les mêmes leviers, mais qui font partie de la même famille. Donc vous avez vu le parcours du joueur, de la phase d'identification à la maîtrise, et ensuite, vous pouvez réfléchir à ce que vous allez faire en fonction des profils des joueurs. Le tueur, il est très sensible au classement. Les classements, c'est quelque chose qui sont un peu... Enfin, ça devient un peu tabou dans les entreprises. Je peux vous assurer qu'une équipe commerciale, un commercial qui se respecte, surtout en cycle court, a besoin de classement. Je peux vous assurer aussi qu'en gestion de projet collaborative, si vous induisez une notion de classement, ça va se planter, la plupart du temps. Donc, il faut savoir à qui on parle. On ne peut pas en même temps regarder la télé et adorer regarder les compétitions, les Jeux Olympiques, etc., et en même temps retourner au bureau et dire « Non, mais le classement, ça n'existe pas. » Non, ça fascine. Ça fascine, et il y a encore beaucoup de contextes où les classements sont importants. Moi, je ne peux pas parler de jeux vidéo, je ne peux pas parler de gamification en disant « Ah oui, en 2017, il ne faut pas parler de compétition. » Ça n'a pas de sens. Il faut juste l'utiliser à bon escient. Et l'achiever, lui, il n'est pas sensible à la compétition de la même façon, mais il est sensible aussi. Puisque l'achiever, lui, ce qu'il veut, c'est progresser pour lui-même. Et donc, parfois, la compétition, c'est-à-dire le classement, va lui donner un indicateur, non pas pour faire le malin auprès de ses collègues ou d'un autre joueur, mais pour lui. Si vous êtes joueur de deuxième division au football, et que vous voulez vous améliorer en football, bah, il est logique de penser que le classement va vous aider à monter en première division. Vous avez besoin de cet indicateur pour savoir que vous allez passer en première division ou jouer mieux au football. L'achiever, il est plus sensible au niveau qu'au classement. Ce qui est important pour l'achiever, c'est les niveaux.
Et en entreprise, c'est vraiment une opportunité pour nous en gamification parce que c'est pas compris. On n'a pas compris ce que c'est qu'un niveau. Je discutais chez Procter & Gamble, ils ont, à Bruxelles, ils ont une quinzaine de brand managers. Brand manager. Et pour la personne que j'avais en face de moi, ce sont les niveaux. Ils sont au niveau brand manager. Pas du tout. C'est une étiquette. C'est un badge. Parce qu'un brand manager, il vient de chez Unilever et il fallait quelqu'un chez Unilever pour un peu d'intelligence, business intelligence. Un autre, il a fait Harvard et c'est super, il a été recruté comme ça. Un autre est venu du bas, il a franchi toutes les étapes et il fallait absolument qu'il passe brand manager parce que c'était évident, il était vraiment trop bon. Ils n'ont pas le même niveau. Ils n'ont pas le même niveau parce que ce niveau n'a pas été quantifié au départ. C'est une fonction. Le socializer, lui, il a beaucoup plus besoin d'interaction. Donc dans les outils qu'on met en place, il faut des outils collaboratifs qui, s'il veut être populaire, lui renforce son sentiment de popularité et s'il veut être utile, renforce son sentiment d'être utile aux autres. Et enfin, l'explorateur, lui, il a besoin de surprises. Il n'aime pas trop les scores, ça ne lui parle pas trop. Il n'aime pas les classements. L'explorateur, le classement, il s'en fout. Il a vraiment besoin de surprises. Et dans le monde dans lequel on vit, l'explorateur est un peu frustré parce qu'il y a très peu de jeux à sa disposition. Parce qu'il est lui-même très rare dans la population, donc on crée peu de jeux pour les purs explorateurs. D'ailleurs, quel est le nom de ce jeu? Question, la transition. Très connu, hein, ah, c'est facile. On doit avoir du 100% là. C'est bon ? On clôture ? 68% non, et, plaisanterie. Donc c'est effectivement Minecraft. Minecraft, pour illustrer ce que je viens de dire juste avant, Minecraft c'est un jeu qui est fait pour les explorateurs. Et il a des graphismes affreux, et c'est ce qui en fait aussi son succès. Mais on peut vraiment créer, inventer, faire ce qu'on veut dans Minecraft. Je vous ai parlé des profils et du parcours de joueurs. Ce qui est le plus important, en fait, ce sont les 8 leviers qu'on utilise tous pour être motivés. Les 8 facteurs qui nous motivent dans un jeu ont été identifiés. Et vous pouvez les rencontrer à différentes étapes dans votre parcours d'un jeu, et quel que soit votre profil. Le premier levier, c'est ce qu'on appelle le epic meaning. Donner du sens à ce que vous faites dans un jeu. Alors, quand je dis donner du sens, comprenez-moi bien, ça peut être du vrai sens. Par exemple, si vous courez un marathon à New York et que vous savez que l'argent de l'inscription va être reversé à une cause, bah, ça a du sens. C'est pas non plus le truc du siècle, mais ça a du sens. Si vous êtes Super Mario et que vous allez délivrer la princesse, ça a du sens pour un enfant de 4 ans ou de 6 ans. À un moment, ça n'a plus de sens parce qu'on est des adultes responsables et qu'on se dit que c'est pas, on sait que c'est un jeu. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que le jeu, il y a aussi du storytelling qui va essayer de donner du sens à ce que vous faites, et c'est cette notion d'epic meaning. Donc le fait que je joue, mais je joue parce que j'ai quelque chose qui est au-dessus de moi. Je vous donne un autre exemple plus sérieux. Demandez-vous pourquoi autant de gens contribuent sur Wikipédia à publier du contenu en sachant que leur nom ne va pas être mentionné et qu'ils vont toucher 0 euro pour ça. C'est du epic meaning. Si je suis physicien nucléaire et que je suis sur Wikipédia et que je vois une erreur dans un article, je dois corriger cet article. D'accord ? Donc quand vous avez ce petit levier-là quelque part dans votre stratégie de gamification dans les applications, vous tenez quelque chose de très fort. C'est pour ça que je le cite en premier. Je vais vous donner un autre exemple. Quand j'avais 6 ans, j'ai reçu la visite d'un représentant de Coca-Cola à Liège. Et il était 8h30, mes parents sont venus me réveiller parce que j'étais censé dormir. Et j'ai l'impression, j'ai mis 30 minutes, mais peut-être qu'il m'a tenu moins de temps que ça, j'ai l'impression qu'il m'a consacré un temps super important pour me poser des questions parce que Coca-Cola s'apprêtait à lancer le Cherry Coke en Belgique. Et donc ils interrogeaient des petits gamins pour avoir leur avis et le faire goûter. Le gars m'a vraiment survendu le truc. C'est-à-dire que j'étais super important, j'étais un ambassadeur, j'avais le pouvoir de décider si on allait lancer ou pas le Cherry Coke en Belgique. Epic meaning. Donc... ne pas hésiter à créer une histoire. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Guitar Hero. Bon, dans Guitar Hero, l'habillage, avant que vous rentriez sur le concert pour jouer un peu de guitare au sein de Metallica, machin, l'arrivée sur la scène est juste top, quoi. Donc on vous présente comme une star dans le jeu et on prend le temps de le faire correctement. Voilà, et donc les techniques qui sont derrière, c'est une notion d'élitisme. On vous fait croire que vous n'êtes pas n'importe qui. Mon histoire Coca-Cola, c'est clairement ça. On vous fait croire que vous pouvez sauver l'humanité, vous donner des contributions. Voilà, je travaille pour une start-up fintech qui s'appelle Moneycop, que je conseille. Et ils ont, c'est de l'épargne, donc vous pouvez arrondir vos dépenses sur Internet.
vous dépensez 11 euros, vous arrondissez à 20 euros parce que vous avez décidé ça dans vos paramètres. Et vous pouvez choisir de donner ces 9 euros en partie à une association ou de les épargner pour un objectif que vous avez. Voilà, mais c'est pareil, on introduit ces petites notions de Humanity Hero dans le processus. Le deuxième levier, c'est à la fois un profil et un levier parce qu'il est transverse, en fait, il est toujours présent. C'est cette notion d'achievement et de progression. C'est vraiment essentiel, c'est vraiment important. Et ça tombe bien, c'est le plus facile à mettre en place dans une stratégie de gamification. C'est vous progressez et on vous dit comment vous progressez. Dans le jargon, on appelle ça la méthode PBL, Points Badge Leaderboard. C'est ce qui vous permet de voir à tout instant où vous vous trouvez, où vous en êtes dans votre score et dans votre progression. Voilà, même les sites de rencontres s'y mettent. Donc vous avez maintenant des sites de rencontres qui vous font passer des niveaux selon votre, vos techniques de drague, ou est-ce que vous êtes plus séduisant, ou moins séduisant, ou plus actif, moins actif. Oui, on en est là. On met des niveaux quasiment partout. Il ne faut pas confondre les niveaux et les points. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les points, c'est des intermédiaires entre les niveaux. On peut gagner des points entre les niveaux, on peut gagner des points indépendamment des niveaux. Il y a plein de subtilités dans les points. Vous pouvez les utiliser comme étant des points de statut, donc ils s'accumulent, ou des points échangeables. C'est-à-dire que vous pouvez dépenser. Si vous les dépensez, ça devient une monnaie. Donc beaucoup de jeux font ça. Les points peuvent être absolus ou marginaux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le score total, ou vous pouvez avoir un score du jour, un score du mois, un score de la semaine. Pour essayer de motiver tout le monde à battre le score du jour, c'est quand même plus facile que le score du mois. Les points peuvent être one-way, two-way. Dans Pick Me Up, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est normalement destiné aux commerciaux, j'utilise Pick Me Up pour mes étudiants aussi. Donc je leur demande d'installer l'application, et je les évalue dans Pick Me Up. Donc ils doivent me rendre des travaux. Et je leur donne leurs points dans Pick Me Up, ils ont les classements, etc. Ils adorent ça. Et quand ils sont en retard le matin, je leur donne une pénalité. Donc ils ont 10 points de moins dans Pick Me Up. C'est one way, two way. Et enfin, quand vous transformez vos points en points échangeables, vous pouvez avoir en parallèle plusieurs monnaies. Dans Pick Me Up, on a les points par défaut, et chaque client peut rajouter une seconde monnaie, parce que parfois on a des choses qu'on ne peut pas comparer entre elles. Chez Alliance, qui est un gros client, les points sont là pour les contrats qui sont signés par les commerciaux, et les étoiles sont là pour le parcours de formation. Et on accumule ces deux monnaies. On peut être très bon en formation, très mauvais en vente, ou le contraire, ou les deux. Évidemment, il faut essayer d'être les deux. Je vous disais tout à l'heure dans LinkedIn, cette notion de progression que vous avez dans la progress bar de LinkedIn, quand ils l'ont installée, ils ont eu 50%, hein, directement, de profils remplis correctement en plus. Boum. Pourquoi ? Ben parce que c'est l'ego qui travaille. En fait, on me dit que je suis une star en fait, sur LinkedIn. Le plus gros réseau professionnel du monde. C'est génial. Ma vie va changer. Voilà, et donc à tout moment, tout instant, vous pouvez aussi avoir cette notion de classement. Dans LinkedIn, vous avez ce classement. Hein, si vous cliquez sur les personnes qui ont le profil similaire au mien, et vous avez leur indicateur de popularité, vous vous situez par rapport à eux. Ça, c'est pas un classement. Voilà. Vous connaissez la startup Birdie ? J'étais avec eux hier à une conférence. J'adore cette startup. Ils ont une interface, un UX qui est vraiment fantastique. Donc il s'agit d'une banque en ligne, système d'épargne. Il travaille beaucoup avec les personnages et les personas. Donc Marie est un persona, donc elle a 32 ans, elle a des revenus qui sont les suivants, et elle peut, dans son interface, gérer son épargne, et elle peut donner ses idées pour gérer son épargne et se fixer un but et un objectif. Et donc, elle a ses projets, et elle a défini son profil de réserve, de pension et pour la maison. Elle a dit qu'elle était plutôt agressive avec, en risque financier. Et dans son interface, elle va avoir un objectif qui va être acheter une maison. C'est acheter une maison, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'elle va peut-être économiser pendant 3-4 ans pour avoir suffisamment pour compléter son prêt, etc. Et donc, quand on a un objectif qui est très long et très difficile, on le découpe en phases. Et en gamification, on a tendance à interpréter les phases comme des niveaux. Parce qu'un niveau, c'est plus fort qu'une phase. Une phase, c'est des étapes. Un niveau, c'est une progression. C'est pas tout à fait la même chose. C'est ce qu'ils font avec Birdie. Ils ont bien compris ça et ils le font super bien dans l'interface. Le troisième levier, qui est très important parce qu'il est très différent des deux précédents, il n'y a pas de notion de score, c'est encourager votre créativité. On n'est pas tous des artistes, on n'est pas tous des vrais créatifs, mais on a tous envie qu'on encourage notre créativité. Je reparle de Guitar Hero. Si vous avez joué à Guitar Hero, prenez le premier niveau, vous jouez une petite chanson à Francis Cabrel, j'en sais rien. En fait, vous ne jouez rien du tout. Vous suivez les étapes, tac, 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 il n'y a pas grand-chose à faire, et pourtant la musique se joue et vous avez l'impression... impression de faire un acte artistique. Lego, c'est ça aussi. Vous avez devant vous des blocs de Lego, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de score, faites ce que vous voulez. Minecraft, c'est ça aussi. Donc, c'est lâcher votre créativité. C'est trop peu utilisé dans les jeux et dans les applications professionnelles.
c'est quelque chose qui est une vraie opportunité, en fait, de laisser les gens se lâcher un peu et proposer des choses et faire des choses d'eux-mêmes. Le quatrième core drive, très très important, c'est le ownership, donc le sentiment de propriété que vous pouvez avoir à l'intérieur d'une application ou d'un jeu. Quand vous possédez quelque chose dans un jeu, même si c'est virtuel, c'est à vous. C'est important. Et donc, dès que c'est à vous, vous ne voulez pas le lâcher, vous voulez le protéger, vous voulez l'enrichir ou l'améliorer. Comme un personnage, comme un avatar. Dans World of Warcraft, il y a 400 niveaux et votre avatar se développe. Mais une fois qu'il a eu une cape magique ou une épée rare, c'est de la propriété, en fait. Vous êtes propriétaire de cette épée rare. Vous n'allez pas la lâcher comme ça. Quatrième question. Quel est ce jeu ? What was the net effect of the Niantic project? We crossed a threshold in which global security could be at risk. Decrypting the data was the mistake. This is not psychosis or ingress, some cognitive break, progress. But an actual takeover of the mind. Much of the public sculpture found in our cities is based on design seeded in the human mind. Certain places have an energy that not only attracts people, but attracts events. The mission of 13 Magnus is to monitor the effects of mind hacking. Alors Ingress est un jeu en réalité virtuelle qui a précédé Pokémon Go et qui est fait par le même éditeur, Engine Software, et qui pour moi est beaucoup plus intéressant que Pokémon Go. C'est un jeu où, notamment à Paris, ça marche pas mal. Sur le chemin pour aller travailler, vous avez des énigmes et des épreuves qui apparaissent en réalité virtuelle sur votre parcours, sur votre trajet pour aller au travail. Et vous êtes un espion ou un agent secret et vous devez résoudre une énigme. Super. Bien joué. Et ils ont repris tous les spots mondiaux qu'ils ont utilisés pour Ingress pour créer Pokémon Go. Donc ils avaient déjà la matrice du jeu, en fait, c'est ça. Ça ne s'adresse pas au même public, évidemment. Alors je vais quand même parler de Pokémon Go, même si c'est un peu last week, mais ça a été le phénomène l'année dernière, on n'a jamais vu ça. Et c'est le moment de gloire d'un jeu de collectionnite. Quand on est dans l'ownership, l'extrême qu'on peut trouver en gamification, c'est vraiment de créer une habitude de collectionnite. Collectionnite, c'est, voilà, il y a je ne sais pas combien de Pokémon à collectionner, certains sont évidemment plus rares que d'autres, et donc on se bat pour collectionner. C'est cette addiction qu'on peut retrouver dans ce levier-là, qui est le levier de ownership. C'est grâce à ce jeu qu'on arrive à faire des choses aux joueurs qui sont débiles. C'est-à-dire que si vous prenez le village des Schtroumpfs, ma fille est sur le village des Schtroumpfs, donc j'ai prédit qu'elle arrêterait de jouer dans 2 mois. J'espère que je ne vais pas me tromper parce que c'est vraiment un jeu addictif. Mais pour aller acheter de nouveaux personnages, de nouvelles maisons dans le village des Schtroumpfs, comme dans Farmville, il faut qu'elle cultive des poireaux, des carottes, etc. Et il faut que régulièrement aller récolter ses carottes et ses poireaux. Donc c'est pas ce qui m'enthousiasme le plus comme jeu. Et ça, c'est surtout dans les jeux de ownership que vous allez le trouver, le grunt work. Voilà, et c'est dans les jeux de ownership que vous avez le plus de monnaie échangeable. Dragon Mania, si vous connaissez ce jeu qui est très populaire, est un jeu qui fonctionne comme ça aussi. Cinquième levier qui est très important, c'est le social influence. Il est très important pour vous dans la fintech aussi. Parce que les applications bancaires, etc., sont par vocation, normalement, enfin en tout cas c'est ce qu'on pense, des applications très solitaires. J'épargne pour moi. Je travaille pour moi, c'est mon argent, etc. Le social influence, c'est qu'est-ce qui se passe si j'épargne avec les autres? Donc tous ces phénomènes d'applications de cagnotte, par exemple. Donc c'est transformer une activité solitaire en une activité où le regard des autres est important pour moi. Et vous voyez que ça devient un peu négatif. C'est-à-dire que les motivations que je vous ai montrées avant sont des motivations qui créent du plaisir et de la fierté. Mais quand on est sur le ownership et sur le social influence, ça commence à devenir un peu négatif. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Quelques verres, un resto, un ciné remboursé et pas de monnaie sur vous? On a tous des petites dettes auprès de ses amis. Découvrez Litchi Cash, la solution la plus simple et innovante pour tous vos remboursements entre amis grâce à un simple mail. Je souhaite rembourser mon ami Nico. Voilà, donc cagnotte, système de remboursement entre amis, épargne entre amis, c'est quelque chose qui est assez récent et qui se développe très rapidement. Et c'est là que vous avez le Rockstar Effect, ça j'aime bien en parler. Donc j'ai eu la chance de travailler dans le groupe qui possède Tinder, je dirigeais une filiale française, et j'avais des discussions, mais c'était il y a 4 ans, donc au début de Tinder, en tout cas pour ici. Le Rockstar Effect, c'est quand vous sentez que vous devenez important et populaire. Sur Twitter, il y a un phénomène qui se produit quand vous avez 300 followers et que vous suivez vous-même 200 personnes, vous avez un Rockstar Effect. C'est un moment clé où vous êtes remotivé parce que vous vous dites « Ah mais quand même, je suis 200 personnes et je suis suivi par 300 personnes, je suis quelqu'un d'important. » Alors que 300 followers, c'est pas terrible.
Et chez Tinder, c'était 7 pour 1000. Vous swipez pour les hommes. Vous swipez, donc vous défilez 1000 profils de femmes qui vous intéressent. S'il y en a 7 qui reviennent vers vous en disant « tu m'intéresses aussi », vous sentez que vous êtes une rockstar. 7 sur 1000. Alors vous êtes potentiellement pris 993 râteaux. Donc ça, c'est le phénomène du rockstar effect. Combien d'amis a-t-on en moyenne sur Facebook ? Alors, si vous êtes au moins attentif à l'écran, c'est déjà ça. Chiffre 2016. Ok ? Ok ? On peut clôturer ? Alors, 338. C'est un chiffre qui change tout le temps. Ça a monté, ça a redescendu, ça avait tendance à descendre les dernières années. Ça remonte grâce à la génération des anciens. Donc les personnes plus âgées sont allées sur Facebook pour essentiellement communiquer avec leurs petits-enfants, etc. Et finalement, il y a une communauté qui se crée. Maintenant, ils sont des utilisateurs Facebook comme les autres, avec 338 amis en moyenne comme les autres. Voilà. Je vais passer très vite sur les derniers leviers. Donc la rareté est un levier très important dans le jeu. Donc la rareté, c'est quand quelque chose apparaît ou est disponible de manière très très rare, et vous le voulez simplement parce qu'il est rare, l'offre et la demande. Vous êtes financier, je ne vais pas vous apprendre ça. Et donc, dernière question, quel est le cours du Bitcoin aujourd'hui ? Quand je dis aujourd'hui, c'était avant-hier quand j'ai fait le slide. À votre avis, est-ce qu'il est inférieur au prix d'une once d'or ? Est-ce qu'il est égal au prix d'une once d'or ? Ou est-ce qu'il est supérieur au prix d'une once d'or ? Ok ? On peut stopper ? Voilà. Donc effectivement, pour la première fois, le Bitcoin a dépassé le prix de l'once d'or avant-hier, ou il y a quelques jours. Voilà, et vous avez ça, par exemple, dans le système de rareté, vous avez ça dans un système de happy hour. J'en ai un dernier exemple, c'est un centre commercial à Séoul, en Corée, où c'est un prisme, en fait, qui fait passer les rayons du soleil, et une fois par jour, pendant quelques secondes, vous avez un barcode sur le sol, grâce au soleil, qui vous donne droit à une promo spéciale. Donc les gens viennent, s'attroupent, et scannent le barcode, parce que c'est le moment. Voilà, ça crée de la rareté autour d'un événement. L'avant-dernier, c'est l'imprédictabilité. Donc ça, c'est le levier des joueurs d'argent, des joueurs de jeux de hasard. On aime confier son avenir et le succès du jeu au destin, ou on aime penser qu'on est plus fort que le destin, ce qui est pire. C'est un levier qui est très fort et qui est très négatif, parce qu'évidemment très déceptif, puisqu'on perd souvent. Et le dernier levier, c'est la peur de perdre ce qu'on a. C'est pas tout à fait comme le ownership, c'est qu'on est dans une situation où... je donne cet exemple-ci. Vous recevez un coupon, et ce coupon vous dit vous avez 30% de réduction, mais il faut dépenser le coupon avant dimanche. En fait, ce que votre cerveau va vous dire spontanément, c'est que vous possédez une réduction de 30%, qui vaut de l'argent, qui vaut peut-être 30 euros, et vous l'avez dans votre poche, mais dimanche, elle disparaît. Vous ne la possédez pas vraiment, vous avez juste peur de ne pas l'avoir. Ce n'est pas tout à fait pareil. Vous avez plein de petites mécaniques comme ça, qui sont un peu perverses, qui peuvent vous permettre de rester engagé dans un jeu. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai encore quelques slides, mais... je pense que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Merci.